Je m'appelle Renée Gagnon, je suis la directrice générale du Centre d'interprétation du milieu écologique du Haut-Richelieu, mieux connu sous le nom de CIM Haut-Richelieu. La CIM a été créée en 1981, donc c'est un organisme qui a quand même une bonne longévité en termes d'organisme en environnement et conservation. Au départ, c'était un comité qui avait été créé par le mouvement écologique du Haut-Richelieu. Dans le but là, de protéger, mettre en valeur le Mont-Saint-Grégoire parce qu'il y avait un accès qui était plus ou moins encadré, donc pour limiter les impacts là, de la fréquentation, il y a un groupe de jeunes écologistes à l'époque qui sont intéressés au dossier. Puis par la suite, l'organisme est incorporé en tant qu'organisme là, indépendant en 1986. Le Mont-Saint-Grégoire, en fait, quand on regarde au niveau, quand on regarde au niveau de la Montérégie, la situation des forêts, on parle de moins de 30% de forêts là, sur la Montérégie. Puis là, si on raffine au Haut-Richelieu, c'est très faible, on a un pourcentage de, je pense, c'est à peine un petit peu plus que 11% de forêts qui demeurent sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. Donc, c'est très peu. Puis les grands massifs forestiers de quelques centaines d'hectares sont très rares. Les gens connaissent peut-être le Grand Bois de Saint-Grégoire, mais le Mont-Saint-Grégoire aussi, là, qui fait le massif forestier, fait peut-être autour de 275 hectares. Donc, c'est effectivement une espèce d'îlot de nature dans une plaine très agricole. Alors, compte tenu de ça, il y a beaucoup de biodiversité. La biodiversité est importante, tant au niveau de la flore que de la faune. Donc, au niveau de la flore, on a des forêts qui sont considérées comme des forêts refuges, même des forêts rares. Puis, donc, érablière, plus au bas de la forêt, chênaie un peu plus haut. Puis, au niveau de la faune, bien, il y a une belle diversité, au niveau des oiseaux particulièrement, évidemment. Mais aussi, au niveau de la faune, dans les plus gros mammifères, ça va être le cerf de Virginie, raton laveur, coyote, renard, etc. Il y a beaucoup de petits mammifères, et évidemment, comme je disais là, sûrement entre 200 et 300 espèces d'oiseaux qui viennent, qui sont de passage ou qui nichent ou qui fréquentent les sites.
La carrière, je pense que la première, l'ouverture de la première, parce qu'il y en a eu plusieurs, là, on constate qu'il y en a, ben, il y en a au moins cinq qui ont été exploitées, là, cinq différentes carrières sur la montagne, dont deux plus importantes, celle qui se trouve dans le sentier de Cime qui s'appelle La Carrière, effectivement. La première, ça a été 1898, le début de l'exploitation, jusqu'à peu près en 1960. Mais je dirais que les âges d'or là, étaient peut-être 1920-1940, où ça a été très, très actif. Donc, c'était une pierre, bon, les gens appelaient ça du granit, là. Au niveau commercial, c'était qualifié de granit, mais au niveau géologique, c'est pas du granit, au contraire, parce qu'il n'y a pas de quartz dans la pierre, donc ce n'est pas du granit. Mais c'est une pierre qui est très, très dure, puis on considérait, là, il y avait deux types de pierres qui étaient exploitées ici, puis c'était parmi les plus belles pierres là, de l'époque, là, c'était réputé. C'est une pierre qui était très foncée, noire, pratiquement noire.